Je m'appelle Rita Mangui, je suis médecin psychiatre et je travaille dans le domaine des addictions depuis plus de 20 ans. Pourquoi je fais ce métier? Il y a plein de raisons probablement. Il y a le fait que je m'intéresse passionnément à l'humain et la psychiatrie c'est une façon d'être en contact avec cet humain qui est en même temps souffrant et en même temps tellement riche de compétences pour se relever. Et puis les addictions, c'est un peu quelque chose qui nous regarde tous. On est tous dépendants, au fond, de quelqu'un, de quelque chose. Ce qui est important aussi dans ce travail, c'est au fond comment les personnes peuvent, avec ou sans la substance, avec ou sans traitement, retrouver une place dans la société, dans ce groupe duquel elles se sentent exclues depuis si longtemps. Et ça, c'est ça l'important, c'est l'intérêt de ce travail. C'est d'accompagner, au fond, les personnes à retrouver une place qui est la leur et dans laquelle ils se sentent appartenir à un corps social. Voilà, l'addiction, l'addictologie, c'est ça probablement. C'est recréer du lien avec le corps social. Recréer du lien en travaillant sur ces automatismes, sur les alternatives à ces automatismes, pour permettre aux personnes de développer la capacité à faire des choix, à se dire « tiens, j'aurais envie d'aller là ou là, de rencontrer telle personne », ne plus être enfermée dans cette répétition constante de l'addiction, arrosée sur ce qui est vivant, quoi. Quand on arrive à faire ce travail, à accompagner cette personne pour qu'à un moment donné, elle puisse vivre une expérience positive de resocialisation, de rencontre, dans quelque chose, dans une place qui est la sienne, ça c'est vraiment une victoire.